Salut à tous, hein. Désolé pour ce petit contretemps technique, hein. Vous êtes donc avec nous pour ce live, Facebook Live, justement, on va parler de mental avec Ronan Lafay, hein. On dit Lafay, hein, pas Lafex, pour justement parler de ce déconfinement. On a fait un podcast avec Ronan, c'était la semaine dernière, et en fait ce Facebook Live va permettre un peu de débriefer, hein. C'est le débrief de Mental d'Acier. Bonjour Ronan. Est-ce que Ronan, déjà, tu es bien déconfiné? Je suis très bien déconfiné, très très bien. Alors, comme tous les, évidemment, ce jour, ce lundi 11 mai, on l'attendait avec impatience, les golfeurs l'attendaient avec impatience pour pouvoir reprendre les clubs. On est allé faire quelques reportages, hein, sur les parcours de golf, notamment à Ozoir, à La Ferrière, aussi à Saint-Aubin. Finalement du monde du golf et cette liberté retrouvée, Ronan, on peut dire que c'est une liberté retrouvée pour tous les golfeurs. Bah, j'imagine que ça a dû être un moment chouette de retrouver la nature, de retrouver les clubs, de ressentir la balle, taper dans le club, peut-être d'enquiller des putts de dingue. Voilà, j'ai hâte en tous les cas d'écouter, comme tu disais, on a fait un podcast sur comment déconfiner. J'ai hâte d'entendre les retours parce que c'est intéressant de voir après 2 mois d'arrêt ce qui s'est passé, comment ils ont vécu ça sur le terrain. Alors après, c'est vrai que nous, on a posé la question aux amateurs qu'on trouvait sur les practices et sur le parcours. La première notion, qui je pense est très importante, c'était vraiment de retrouver le plaisir, le seul mot du plaisir du jeu. Peut-être un plaisir qui parfois peut être perdu par certains joueurs. De ce confinement. Et le plaisir était vraiment au centre de cette première journée. Ouais, puis t'as rajouté quelque chose, t'as rajouté le plaisir du jeu et on en avait parlé durant le podcast à quel point on oublie que c'est un jeu tout ça. Et c'est intéressant le plaisir du jeu, tu vois. Je me souviens là dans le podcast, tu parlais d'insouciance. Voilà, retrouver cet âge un peu où on est insouciant, où on se laisse aller, on se fait confiance. Il y a rien de très grave. Et puis tout d'un coup, à force de s'entraîner, à force d'avoir des objectifs, à force de vouloir performer, ben j'en oublie cette notion de plaisir et de jeu finalement. Donc voilà, c'est ce D'ailleurs, que toi, j'avais dit pendant ce podcast. c'était un de tes premiers conseils de justement de s'autoriser à pas de s'autoriser, mais de rêver, de faire un rêve, d'avoir un rêve encore plus grand peut-être qu'on avait avant le confinement, c'est ça? Ouais, et puis de dire que finalement, pendant tout ce moment où les gens avaient été interdits de jouer, forcément, ils avaient pratiqué dans leur tête et j'avais mis le rêve au centre de tout ça. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, ils ont regardé des vidéos, ils ont écouté des podcasts, c'est ce qu'on disait. Et forcément, leur cerveau a travaillé sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc, c'était le résultat de l'entraînement qui allait ressurgir si on le laissait faire sur le parcours. Donc j'ai hâte d'entendre les premiers mots des internautes, c'est sûr. Justement, c'est un peu compliqué parfois on n'a pas pu pratiquer comme on voulait. Certains avaient un jardin, donc ils ont pu peut-être taper quelques balles, mais ce n'est pas finalement la réalité. Est-ce que le danger, ce n'est pas justement de se dire, j'ai fait des super swings d'essai, on en avait évoqué dans un podcast précédent, cette super finalement séance de practice. Le danger quand on arrive sur le parcours, évidemment. C'est le plaisir de planter ce premier tee, même de remettre le gant, retrouver un peu ses marques, mais le plaisir finalement, il peut s'évaporer très vite. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est que j'espère en tous les cas que grâce au journal du golf qui met en avance cette part un peu inconnue, un peu mystérieuse qui est le mental, qui est la performance finalement, comment ça se passe? Je vois bien que les gens sont un peu perdus par rapport à ça. Il n'y a pas une culture de la performance, on n'est pas éduqué à ça. On est éduqué sur une partie, c'est-à-dire, je l'ai dit souvent, sur la partie de l'iceberg qu'on voit.
mais la performance, c'est bien plus intéressant que ça. C'est bien plus complexe que ça. Il y a une espèce de dualité. Voilà, je vais un peu à droite, je vais un peu à gauche. Il y a rien de sûr dans la performance. Et moi, en tous les cas, c'est ce qui me plaît, ce qui m'anime. Donc, j'espère que les gens ont pu réfléchir à ça grâce à nos échanges. Alors là, on a une première question, enfin plutôt une première affirmation de la part de Léon qui dit que c'est un peu compliqué votre notion de plaisir. C'est sûr que c'est difficile à trouver. C'est un peu abstrait en fait. Ben, il a raison, Léon. En fait, la notion de plaisir, elle n'existe pas au moment où je joue, puisque au moment où je joue, je suis concentré. Et du coup, la notion de plaisir n'arrive qu'après. Surtout qui dit, alors je te coupe, Ronan, mais surtout qui dit pour continuer sa réflexion, il dit le plaisir n'est pas forcément la même qu'on soit un joueur pro ou même un pratiquant lambda. Le plaisir n'est pas pareil. Ben, on l'avait évoqué, moi je ne suis pas d'accord. Les champions, ils sont tellement habités que justement, eux ont continué à rester des enfants. Donc, moi qui ai côtoyé quand même beaucoup, beaucoup de champions dans diverses catégories, je peux vous dire qu'eux aussi, ils sont dans le jeu, mais à mort. Et que s'ils quittent ce mot jeu, alors ça devient compliqué pour eux. Donc, finalement, il y a bien souvent plus de jeux chez les grands champions que chez les joueurs de club, on va dire. Alors après, c'est sûr qu'un joueur pro ne va pas avoir les mêmes attentes, mais c'est vrai que les soucis techniques que peuvent avoir certains joueurs amateurs peuvent complètement être frustrantes et barrer cette notion de plaisir ou la mettre plutôt en deuxième, voire troisième position. Oui, mais finalement, que tu peux être joueur professionnel et vivre exactement la même chose, être complètement perdu à un moment donné sur le parcours. C'est ça qui est passionnant et c'est aussi pour ça que je suis là, pour expliquer ça, qu'un champion, c'est pas quelqu'un qui a pas de doute, c'est quelqu'un qui peut douter, qui croit pas en lui par moment, qui se voit pas réussir, sauf que ça dure moins longtemps. À un moment donné, il a une réflexion qui le font revenir sur la bonne route, mais c'est la même chose. Ils ont la même problématique. C'est exactement la même problématique. Alors Ronan, on a encore une question de Jean-Marc Caris qui pose une question qui dit « Je pense que le practice est important et le terrain également. Les deux sont importants. La compétition, c'est un troisième volet. Qu'en pensez-vous ?» Je sais pas ce qu'il veut dire Jean-Marc par là, mais… Moi, je pense que c'est trois sports différents. Donc, s'il voit ça comme ça, moi, en tous les cas, c'est ce que je pense. C'est que c'est trois sports différents. Le parcours pour jouer, le practice pour s'entraîner, et puis la compétition, c'est trois mondes complètement différents. Encore une fois, je parlais de dualité tout à l'heure. Qu'est-ce que je viens y faire sur… quel sens ça a que je fasse du practice, quel sens ça a que je fasse un parcours. Et puis, ne pas croire que, et je pense qu'on en a beaucoup parlé là pendant ce confinement, de ne pas croire que l'entraînement suffit. L'entraînement, c'est une chose, mais si jamais j'arrive pas à appuyer sur le bon accélérateur au bon moment, il ne sert pas à grand-chose l'entraînement. C'est ça la subtilité et j'espère faire comprendre ça aux gens, que c'est pas parce qu'ils s'entraînent qu'ils vont réussir. Voilà, il faut s'entraîner justement pour s'entraîner pour la performance. Et c'est là que l'aspect mental dans la technique, l'aspect mental dans le physique, je le répète tout le temps, mais c'est lié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a vu, je passe beaucoup de temps à réfléchir en compétition. Si je prends pas cette habitude à l'entraînement, c'est compliqué. Voilà, je crois qu'on en a déjà pas mal parlé de ça, mais il faudra y revenir sûrement régulièrement. Alors, l'avantage quand même de ce déconfinement et même de ce confinement, c'est on a posé la question à plusieurs pros, notamment à Romain Roussel, qui nous disait ben voilà, moi j'ai pu aussi prendre le temps de faire le point sur ce qui allait pas dans mon jeu en début de saison, ce qui n'allait pas, est-ce que il a pu en fait régler un peu sa machine.
Et ça, c'est, je pense que c'est, ça peut être aussi la même chose. On peut dire la même chose pour les joueurs amateurs. Ils ont pu peut-être prendre le temps de se poser la question. Est-ce que mon swing est bien? Est-ce que voilà, peut-être le mental aussi également. C'est une période finalement positive aussi de ce point de vue-là. Bah, moi, je le pense sincèrement. Je pense que c'était un merveilleux moment pour faire le point. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour quand on a préparé le podcast pour sortir du confinement. C'était de dire de faire un bilan des progrès qui avaient été réalisés. Et donc, un des premiers bilans, ça a été sûrement de dire bah, où j'en suis finalement, de prendre le temps vraiment de me poser pour réfléchir. Et encore une fois, que je sois joueur amateur ou joueur professionnel, la démarche est la même. Il y a un moment donné, c'était vraiment important de réfléchir. Vraiment, il y a peut-être des flashs qui sont arrivés. Peut-être que certains ont rêvé davantage ou par nos discussions, on s'est peut-être dit, bah ouais, c'est intéressant de prendre le golf différemment aussi peut-être. Tu penses que pour tout le monde, en tout cas en termes de golf, il y aura un avant et un après confinement. Les golfeurs ne sont pas les mêmes. Bah, je le souhaite. J'espère que tout moment comme ça de réflexion, d'analyse, de prise de recul sur la vie, hein, parce qu'avant tout, c'est quand même une prise de recul sur la vie et du coup sur soi. J'ose espérer en tous les cas que il y aura peut-être deux catégories, hein, ceux qui se sont servis de ça pour progresser et puis les autres qui auront été juste en attente de retaper mais la balle. Et je pense que ceux qui ont vraiment fait des progrès dans ce moment-là auront des coups d'avance, c'est clair. Alors, Ronan, on parle du déconfinement. Quels sont les dangers finalement de ce déconfinement et quels sont les pièges, on va dire, à éviter du déconfinement, tu veux dire? Trop à d'être impatient. Ouais, ouais. Pardon? Ouais, ouais, c'était du déconfinement. Oui, du déconfinement, ouais. Non, bah c'est j'ai été, on m'a enlevé mon jouet pendant quelques temps, et l'émotion est tellement grande que voilà, je suis tout excité, je peux en mettre partout, donc voilà, c'est un peu, faut faire attention à ça. D'où l'importance d'avoir fait le bilan, de savoir ce que je vais remettre en place sur le terrain. Voilà, qu'est-ce qui a changé dans ma manière d'aborder le golf finalement? Qu'est-ce que j'ai compris pendant ce confinement? Voilà, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui a changé dans la tête des gens à regarder des vidéos, à avoir pris du recul, à s'être reposé? Je pense que les gens, en tous les cas, les gens que je côtoie, beaucoup d'entre eux m'ont dit bah, je suis très, très, très reposé, je vois pas la vie pareille. Et j'ai des ambitions différentes. Donc voilà, c'est un moment sympa, je pense. Toi, tu travailles aussi avec des navigateurs. Hein. On en avait parlé aussi avant ce confinement, comment tu les préparais. Mais je suppose que ben, forcément, quand ils font un tour du monde, est-ce que tu les prépares aussi mentalement à être déconfinés? Ben, je dirais que ça a été… En tous les cas, si je prends l'exemple d'Armel dont je m'occupe, Armel Tripon, il y a eu plusieurs choses dans le déconfinement. Et avant le déconfinement, ça a fait partie, si tu veux, de notre cheminement et notre réflexion. Le Vendée Globe, il ne part pas. Tout le monde nous parle des 40e rugissants. Mais des 40e rugissants, il peut y en avoir aussi à terre. Il y avait un bateau à construire. Il y a eu des difficultés, du retard. Après, il y a eu ce confinement. On n'a pu naviguer que 2 semaines. J'allais dire que la vie d'un sportif, c'est tout le temps, il y a toujours des imprévus. Et le champion, c'est celui qui arrive justement à s'organiser, à mieux gérer, à accepter. Voilà, c'est… Moi, ce que je disais à Armel, c'est que le Vendée Globe, il va pas commencer le 8 novembre. Il a commencé déjà depuis 2 ans, finalement. Et des 40e, on y est tous traversés par des problématiques. Et ce que je disais tout à l'heure, que je sois champion ou pas, c'est la même chose. Au final,
tout le monde a réglé la même chose. Alors, c'est marrant parce que le Vendée Globe, hein, un parcours de golf, ça peut être aussi considéré hein, comme une aventure et un Vendée Globe. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Ronan hein, si vous en avez sur le mental, sur ce déconfinement. On en parlait aussi dans notre podcast, évidemment. Est-ce que pour toi, l'attente d'un joueur amateur et d'un professionnel sera la même? Évidemment, je pense qu'on parlait de notion de plaisir retrouvée chez les golfeurs amateurs qu'on a croisés lundi. Évidemment, cette notion de plaisir a été présente aussi chez Robin Roussel, qu'on a rencontré à Osvoir Lafer hier lundi. Mais tout de suite, il était passé en focus. Je regarde mes passions, ce qui ne va pas, pour pouvoir travailler plus tard. Ça, c'est aussi la différence quand même, Ronan. On peut pas le nier, ça. Ouais, moi, je veux bien revenir sur quelque chose que tu as dit là, qui me paraît important. Tu as dit le Vendée Globe, nous aussi, quand on fait un parcours de golf, c'est une aventure. Et je veux bien m'arrêter là-dessus parce que c'est très, très important ce que tu viens de dire. Je pense que combien il y a de golfeurs qui passent sur un parcours, et encore plus en compétition, en se disant qu'ils vont vivre une aventure. Et je pense que ça, tu vois, c'est, t'en as parlé comme ça rapidement, mais je pense que ça peut être une vraie évolution dans la tête des joueurs, de se dire que ça va être une aventure. De partir sur 18 trous en compétition, c'est une vraie aventure humaine. Il va se passer plein de choses. Et l'aspect de ce qu'ils ont travaillé pendant des heures et des heures aux practices ou même sur le parcours, c'est peanuts par rapport à l'aventure qu'ils vont traverser, à toutes les choses qu'ils vont se dire dans la tête. Donc, j'aime bien cette idée d'aventure, JP, dans ce que tu viens de dire. Parce que c'est le point de départ de quelque chose, alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partent à l'aventure en faisant un parcours de golf. Ouais, surtout une aventure qui commence parfois, même rien que qui commence la veille, dans la voiture, commence à réfléchir, à gamberger. Dire même si c'est pas une compétition, à comment ça va se passer ma partie, surtout est-ce que je vais battre le copain, quoi. C'est surtout ça en fait. Ouais, donc moi je trouve si le mental ça pouvait être ça, de se dire finalement je vais aller faire une aventure, je sais pas ce qui va se passer. Il va se passer plein de choses et finalement le champion lui, il va s'adapter à ça. Et je crois que c'est vachement important. Alors que la plupart des gens, ils ont voulu sécuriser leur jeu en disant c'est bon, allez, techniquement je suis un monstre, je sais le faire. Non. Et j'ai vraiment envie de dire ça. Donc cette idée d'aventure dont tu viens de parler là, tu parlais de changement avec le déconfinement. Bah si les gens pouvaient se dire que quand ils partent sur un parcours de golf en compétition ou même avec des copains pour les battre, comme tu dis, s'ils pouvaient se dire que c'est une aventure, ça changerait déjà beaucoup de choses. Plutôt que de partir avec des choses qu'ils pensent contrôler, mais ils ne contrôlent rien du tout. Et c'est ça le plus important. Alors que dans l'aventure, il y a cette idée d'adaptation. Et ça, c'est déjà pour moi, ça pourrait être une belle avancée que 6 secondes, ce déconfinement, il a servi à ça, de partir faire une aventure. Voilà. Donc, tu ne l'as pas fait exprès, mais... De mettre de côté un peu le côté « je veux tout contrôler ». Ben ouais, c'est chiant la vie quand je veux tout contrôler parce que ça voudrait dire que il y a 2 mois, qui aurait pu dire qu'il y aurait ce virus ? Il y en a qui se sont adaptés, il y en a qui se sont pas adaptés. Le journal du golf, ben, ils ont créé des lives, des podcasts et finalement, il y a plein de choses. Et j'ai envie de dire, c'est ça un champion. C'est de la situation, comment je la bonifie. Et ça change l'état d'esprit finalement de se plaindre. La plupart des gens, ils vont avoir une difficulté, qu'est-ce qu'ils vont faire? 1, ils vont se plaindre. 2, ils vont se trouver nuls. Et avec ça, l'idée, c'est de continuer à jouer au golf. Alors que si je suis toujours comme un aventurier, je ne vais pas chercher le coup parfait, je vais chercher le coup qui va me permettre de m'adapter. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? La recherche du coup parfait, on la recherche un peu tous quand même. C'est même des fois ce qui est là. Quand on tape un coup qui est réussi et qu'on a la sensation qu'il est réussi à 100%, c'est pour ça que
qu'on continue le golf et même parfois qu'on reste au golf, quoi. Ouais, mais c'est aussi pour ça que y a autant de problèmes. Les problèmes, ils viennent de là, finalement. C'est qu'à un moment donné, j'ai envie de refaire la même chose alors que c'est arrivé un peu par hasard, quelque part. Et que le joueur, avec son cerveau, lui, va se dire « Mais c'est celui-là que je veux faire tout le temps. » Et là, c'est le début de la fin. Alors que si je pars en étant aventurier, eh ben, je vais m'ouvrir à la vie davantage. Je vais accepter, en gros, tout ce qui va se passer. Et pour moi, c'est plus intéressant parce que, bah voilà, il y a eu ce confinement. La prochaine fois, ça sera quoi? Je sais pas. Et sur un parcours, tout d'un coup, je vais putter pour faire birdie. Je vais putter pour, je serai dans le bunker, je serai dans la forêt. Et tout ça, j'ai qu'à accepter. Voilà, en tous les cas, il n'y a pas d'autres enjeux que ça pour performer. Après, c'est quand même, on en a parlé pendant tous ces podcasts, l'acceptation, c'est quand même un gros boulot à faire pour tout le monde, pour certaines personnes. Accepter, et justement, on en revient peut-être toujours à la même chose, Ronan, mais finalement, c'est le contrôle des émotions, tout ça. Alors, c'est pas que... arrêter de croire au Père Noël. En fait, cette idée d'arrêter de croire au Père Noël, moi je l'ai vu, j'avais 6 ans le Père Noël, depuis je ne l'ai plus revu. Tu vois ? Et en fait, les gens, ils croient au Père Noël. Donc, ils vont sur un terrain de golf, ils ont acheté la panoplie du joueur de golf à la mode, le dernier club, parce qu'on leur a dit que celui-là, il allait aller très très loin. Ils en oublient que, voilà, qu'il allait y avoir une aventure intérieure, un combat intérieur. Et finalement, quand je suis arrivé dans la voile, tu sais, c'est un peu pareil. Les gens, ils mettaient beaucoup d'argent dans les voiles, dans s'occuper du bateau. Mais en fait, ils s'occupaient jamais d'eux. Et les sportifs, bien souvent, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a toute la carapace qui est belle. Ça brille de partout. Mais à l'intérieur... par contre, le boulot, il n'y en a pas eu beaucoup de fait. Donc moi, j'encourage les gens quand même, à un moment donné, à faire ce travail d'introspection parce que de toute façon, il arrive, au moment où je suis sur le terrain de golf, en compétition ou pas, il est là. Vous êtes tout seul avec vous-même. Et c'est quand même, et c'est pour ça que je dis que les gens, ils croient au Père Noël parce que tout d'un coup, ils vont faire une séance de practice de dingue. Ils vont se dire, allez, c'est bon, je l'ai le truc. Et puis, ils vont oublier. Et puis, ils vont être au trou numéro 1 le dimanche matin. Et puis là, catastrophe. Parce que tout d'un coup, il y a la pétoche, la trouille. Ils vont mal se parler. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis arrêtez de croire au Père Noël. Soyez des aventuriers et arrêtez de croire au Père Noël. Je pense que déjà, ça serait un beau programme pour la fin de l'année. Alors là, on a Léon qui réagit énormément sur ce live, qui dit « Il n'y a pas d'acceptation en jouant le coup après l'autre, en oubliant la qualité du coup précédent. » Ça, c'est de l'entraînement mental de base. Ouais, mais d'accord. Ça sur de l'écrire, c'est pas très, très compliqué. Encore qu'il a fallu qu'il recherche ou peut-être qu'il a déjà des notions là-dessus. Donc, un grand bravo, Léon. Mais par contre… d'être capable de le faire une fois, deux fois, 10 fois toute la saison. Moi, j'aimerais bien qu'il me dise comment il fait s'il a la potion magique. Ouais. T'as aussi un autre internaute qui nous dit, Fred Crow, qui nous dit, et pourtant, il faut ancrer les gestes positifs. Donc, il pensait, point d'interrogation. Alors, il faut ancrer des gestes positifs. Donc, il pensait. J'aimerais bien qu'il précise un peu sa pensée parce que ça veut dire quoi? Ouais, je pense que ça veut dire que on peut pas déconnecter complètement parce qu'il faut penser aux gestes positifs pour pouvoir y arriver. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Alors, est-ce qu'il faut penser à des gestes positifs? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est la beauté du sport et encore plus du golf, c'est qu'il y a un grand moment de réflexion. Entre le moment où je viens de quitter le coup d'avant, toute cette longue marche pour arriver à me préparer pour le coup, il y a besoin de savoir ce qui se passe dans ma tête, c'est clair. Et il y a besoin de me reprogrammer pour le coup d'après.
Et la difficulté, elle n'est pas là, parce que ça, ce n'est pas le plus difficile, finalement. Encore que c'est déjà une haute marche, mais d'être capable de se reconditionner. Et après, le plus dur, finalement, c'est au moment où je vais jouer, de ne plus penser à rien. Et c'est ça le plus dur. C'est ce moment… Voilà. Faire le vide. Faire le vide. Et c'est par, je parlais de dualité tout à l'heure. Pour moi, il est là elle est là la difficulté dans le sport de haut niveau, c'est d'être capable en même temps de se fixer des choses à son cerveau, mais en même temps d'être capable de laisser aller au moment où je joue. Voilà, il peut pas y avoir d'interférence. Au moment où je joue, tout doit être clair. Tout doit être clair pour que le geste se réalise à merveille. Alors ça passe par peut-être avoir une, je sais que tu n'aimes pas trop ce mot-là, mais une routine qui est peut-être un peu moins longue, éviter de passer trop de temps à la balle. C'est quoi? Je sais que tu n'aimes pas donner des tuyaux, parce que chaque personne est différente, mais le fait d'avoir une routine qui est peut-être un peu longue va faire plus gamberger le joueur qui a une routine un peu plus courte. Alors moi, je veux bien revenir sur ce mot routine, puisqu'il y a un moment donné, j'ai dit que c'était une escroquerie et certains ne l'ont pas bien compris. C'est pas la routine en elle-même qui est une escroquerie. C'est une escroquerie, comment ça se construit déjà. C'est pas quelque chose de simple à construire. Ça demande d'être capable mentalement de mettre des choses en place. Donc, moi, je l'entends à tort et à travers ce mot-là. C'est ça que je remets en question. Mais c'est la routine, je te coupe, mais la routine a pour le golfeur amateur, on va dire, un côté rassurant. C'est voilà, je sais ce que je vais faire. Je prends mon club, je fais X coups d'essai, je me mets face à la balle et hop, je tape. Une espèce de. Alors, je sais que ce n'est pas le mot routine mentale, mais c'est un. Voilà, tac, 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 c'est cadré. Je sais où je vais. Oui, mais c'est cadré, mais pas tant que ça, JP. C'est pas parce que je peux faire ça, mais finalement, la routine, ça sert à quoi? Ça sert, à un moment donné, à reconnecter mon cerveau à ce qui se passe maintenant, là. C'est en ça que ça sert. À mobiliser mon cerveau sur des tâches concrètes, présentes. C'est en ça que ça sert. Mais je peux très bien faire mes coups à blanc, JP, en pensant à autre chose. Et là, c'est plus une routine. Parce que du coup, le cerveau va être parasité par d'autres pensées. Exactement. Donc, si une routine, c'est fait pour que le cerveau, si je prends l'exemple de Nadal qui regarde sa bouteille d'eau, qui se remet son slip, qui remet sa manche et qui met 10 secondes avant de servir, à chaque fois qu'il fait un geste, ça le maintient dans un état présent. Voilà. Mais si je fais une routine juste pour faire une routine et que dans mon cerveau, je suis en train de penser à ce que je vais faire demain, ce soir ou autre chose, c'est compliqué. C'est plus une routine pour moi et ça sert plus à grand chose. Alors, ça réagit toujours hein, sur Facebook. Donc, on a Philippe qui nous dit « Pour moi, un parcours ne se joue pas sur 18 trous, mais sur 18 fois un trou. » Avec un but ultime, prendre du plaisir, mais dans la lucidité de son niveau de jeu. Beaucoup de joueurs manquent de lucidité. Alors moi, j'aimerais lui demander à Philippe ce que c'est la lucidité pour lui, déjà, toi. Ça m'intéresserait. Il a raison. Il a raison. Mais encore une fois, faut pas caricaturer. C'est pas les joueurs manquent de lucidité. Pour toi, c'est quoi la lucidité? Pardon? Pour toi, c'est quoi la lucidité, avoir la bonne lucidité, avoir la lucidité? Bah, c'est de continuer à raisonner comme au premier trou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où je vais être touché par mon jeu, par le score, par l'ambiance, par plein de choses. Je vais être comme au départ du 1 sur une partie amicale. Je vais être en pleine capacité de tout mon potentiel mental de concentration de gestion des bons choix au bon moment et du coup je vais faire les bons choix au bon moment, donc ça c'est parfait, mais encore une fois, pour arriver à ça, c'est un vrai équilibre dans la performance.
Et ça, c'est un équilibre chez les joueurs professionnels qui on met combien de temps à, on va dire, l'acquérir solidement? Il y a des joueurs qui ne l'acquériront jamais? Ah bah bien sûr, bien sûr. Tous les gens que vous voyez, tous les gens qui sont constants sur leur performance, forcément, c'est des gens qui ont des habitudes, qui ont compris comment ça fonctionnait et qui arrivent à gérer cet équilibre en disant, bah tiens, là, je suis trop nerveux, j'ai besoin de me calmer. Là, au contraire, je suis un peu trop calme, j'ai besoin de me suractiver. Tiens, là, je suis tendu de telle zone de mon corps, je vais me relâcher. Tiens, là, je respire plus. Finalement, être un compétiteur, c'est un, de partir à l'aventure, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est un peu être comme un chef d'entreprise. Voilà, où j'en suis dans mon jeu aujourd'hui, là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je cours à la faillite? Est-ce que si je continue comme ça, je vais faire couler ma boîte? Et moi, j'avais fait ça avec des joueurs en leur disant, bah voilà, vous êtes chef d'entreprise et vous allez faire un parcours. Est-ce que vous allez tenir votre boîte ou pas? Voilà, est-ce qu'elle va couler? Est-ce que vous allez faire des mauvais choix? Et du coup, voilà, c'est intéressant de le voir comme ça. Donc, c'est vraiment passionnant. Encore une fois, tu as parlé d'aventure. Voilà, c'est vraiment ça, d'être dans la recherche tout le temps. Et à partir du moment où le sportif, le compétiteur devient un aventurier, alors il a besoin d'être curieux dans son entraînement. Et ça, c'est vraiment important, cette curiosité. Alors Ronan, on a toujours une réflexion de Léon qui nous dit « Ah, réfléchir et corriger, je pense vraiment qu'il faut bien aimer progresser et à chaque étape essayer de voir que l'élément fragile, c'est nous et non le matériel. » Le problème de la flèche et l'Indien, quoi. Et après, il dit le terrain, le partenaire, etc. Le golf est intéressant au niveau pratiquant de base parce que c'est une thérapie naturelle. Et après, il continue car quand je vois un reportage sur mon golfeur basque énervé favori qui s'est mis entre les mains d'une psy, d'un ostéo, d'un diète, d'un coach de muscu, ce n'est plus de la thérapie, c'est l'armée qui débarque. Est-ce que tu crois toi aussi au sport en tant que, et notamment le golf, en tant que thérapie naturelle? C'est vrai qu'on dit que le sport, souvent, et notamment le golf, nous aide à nous apprendre, à apprendre sur soi-même, quoi. Mais moi, je trouve que c'est un merveilleux outil du développement personnel. En tous les cas, pour des joueurs amateurs, ça ne peut être que ça. Ça ne peut, puisque tu pars à l'aventure et que finalement, tu vas avoir des émotions à chaque coup que tu vas jouer. Bah forcément, t'apprends beaucoup plus vite que dans le quotidien. Donc, moi j'aime bien cette idée de Léon qu'il a, et justement, je pense que c'est là qu'il faut changer l'enseignement du golf, où justement cette prise en compte de l'intérieur devrait être beaucoup plus grande. En tous les cas, moi je milite pour ça. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il y a beaucoup de golfeurs qui seraient intéressés. De partir de cette vision-là en disant bah voilà, je vais apprendre beaucoup sur ce qui se passe au fond de moi. Bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est une très belle école de la vie. Le sport de compétition est une très belle école de la vie. Ça, c'est propre au golf, mais même dans tous les sports individuels en général, le fait de se connaître soi-même grâce au sport. Moi, je dirais c'est dans tous les sports, qu'ils soient des sports d'équipe, des sports, t'as un job à faire aussi toi sur toi. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton idée là de l'aventure. Je vais vraiment la garder. Après, parce que coupe, mais le sport d'équipe, on peut peut-être qu'on va développer d'autres traits de caractère. Peut-être qu'on va se révéler différemment qu'un sport individuel. Un sport individuel et notamment le golf, on est tout seul face à sa problématique. Parce que bah voilà, j'ai envoyé ma balle dans les châchis. C'est moi, ma balle et le parcours, quoi. Alors que c'est vrai que le sport d'équipe, on peut se fondre dans la masse et quelque part, pas se cacher dans l'équipe, mais parce que c'est d'autres valeurs, en fait, le sport d'équipe. Ouais, mais bon, tu es quand même bien placé pour le savoir. À l'équipe, il me semble qu'après chaque match, chaque joueur a sa note, hein. Donc, c'est difficile de se cacher aujourd'hui quand même. Donc finalement, le sport de le joueur, qu'il soit en individuel ou en collectif, il a quand même un job à faire
avant, s'il est bon et que chaque joueur de l'équipe est bon, l'équipe sera bonne. Même si l'arbre peut cacher la forêt de temps en temps, mais globalement, c'est aujourd'hui là, c'est devenu tout est devenu très précis, que je fasse du sport de individuel ou collectif. Donc c'est en tout cas le golf va être le sport où les personnalités vont vraiment se révéler quand même. Parce que beaucoup de joueurs vont s'énerver rapidement, d'autres un peu moins. Enfin, c'est vraiment un sport où quand on voit jouer quelqu'un en golf, on va savoir à peu près comment il est dans la vie. Bien sûr, là tu peux pas tricher et c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa. Et finalement, il y a une qualité qui ressort et que j'aurais pas dit il y a quelques années. C'est finalement, vous avez tous vu des gens qui étaient très calmes et la plupart des champions, ils sont calmes. Donc ça, c'est une qualité qui est très très importante à développer. Calme de base ou ils ont appris à être calmes? Il y a les deux. Il y a les deux. Mais forcément, la compétition t'oblige à être calme. Puisque avec le stress qu'il peut y avoir, les attentes, plus tu montes, plus ça t'oblige finalement à trouver du calme. Toutes les situations, plus tu montes ton niveau, te demande un peu de, est-ce que tu es capable d'être calme dans cette situation? Et c'est ça le plus difficile. Aujourd'hui, ce mot calme, je ne l'aurais pas mis en numéro un il y a quelques années. Aujourd'hui, celui qui est capable dans toutes les situations de garder son calme, il est quand même très très fort. Alors après, on voit quand même des joueurs de golf qui extériorisent énormément, mais qui sont calmes au moment décisif, mais à qui après lâchent complètement. Je pense à un Patrick Reed, Tyrell Hatton, des joueurs comme ça qui on voit, je n'hésite pas à jurer, n'hésite pas à taper dans leur sac, taper dans le sol, bref, qui s'extériorisent quoi. Oui, mais encore une fois, ce qui est intéressant de comprendre, c'est je peux le faire dans des moments qui comptent pas, mais très vite, sûrement, ils sont capables de faire ça. Et je sais plus, moi, j'avais encouragé. Je ne sais plus si c'est dans un podcast ou dans un live, de dire, ben voilà, si à un moment donné, vous vous sentez énervé, allez dans la forêt, criez un grand coup. Je trouve ça plutôt bien comme thérapie. Si je suis capable derrière de retrouver mon calme, voilà. Donc, peut-être qu'on va découvrir des gens à aller gueuler dans les bois bientôt, sur tous les globes de France, ça va être marrant. Et alors c'est vrai que Philippe il fait ça, c'est une réflexion qui est très intéressante et qui est très juste. Il dit être calme, c'est savoir gérer ses émotions. Donc là, on reboucle la boucle et on revient sur l'élément principal qui est quand même, qui est, je pense, un des éléments essentiels du mental, c'est la gestion des émotions. Alors, je ne sais pas si c'est essentiel, mais en tous les cas, c'est un des grands piliers de la performance. Voilà, c'est sûr que pour garder le calme, la gestion des émotions, elle est essentielle. Mais qui travaille cette gestion des émotions alors qu'il va jouer au golf dans ce genre d'entraînement, sur le parcours, voilà. Et comme tu dis, on a encore rebouclé la boucle. Pour tous ceux qui nous regardent, peut-être qui vont redémarrer le golf ou qui vont redémarrer cette semaine ou dans les semaines ou dans les jours qui viennent. On sait très bien que ce départ du trou numéro 1, on l'a évoqué dans les podcasts précédemment, peut faire peur, on peut avoir un peu la trouille, on a tous la trouille au départ du trou numéro 1. Est-ce que, même si tu n'aimes pas, est-ce que tu peux donner quelques tuyaux, quelques exercices peut-être à faire pour apprivoiser ce stress qui nous vient, qui monte en nous quand on place ce tee sur le départ du trou numéro 1? Bah moi, hein, tu... Je donne pas beaucoup d'exercices. Il y en a un que je donne quand même en permanence. Tu pourras le noter. C'est la respiration. Je crois que un bon camarade pour partir dans l'aventure, c'est d'avoir été curieux de cette respiration, de l'avoir travaillé énormément, et justement de pouvoir réguler toutes ses émotions. Et au départ du trou numéro 1, il y a un moment donné, forcément, mon cardio, il va monter pour ceux qui vont le sentir, ce qui va pas être le cas de beaucoup de gens.
et de dire, bah tiens, de quoi j'ai besoin? Et là, dans l'aventure, c'est intéressant. Si je me connais, et tout le monde sera différent, c'est de dire, bah, j'ai besoin d'être à 4 sur 10 en termes d'excitation. Ou peut-être que j'ai besoin d'être à 2 sur 10. Donc là, encore une fois, c'est de la connaissance de soi pour dire, bah, au départ du trou numéro 1, j'ai besoin d'être à 2 sur 10, à 4 sur 10. Attention, si je suis au-dessus de 6, c'est très, très compliqué. Donc, moi, j'appelle ça le baromètre intérieur. C'est intéressant d'arriver au trou numéro 1 en disant, bah, qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Qu'est-ce qui se joue? Comment je me parle? Et comment est mon corps? Voilà, une fois que j'ai réglé ces deux choses-là, une fois que j'ai réussi à discuter avec moi-même ces deux choses-là, je peux être en capacité de bien démarrer ce premier trou. Si jamais je fais pas ça, et si jamais j'ai fait une série de bons coups la veille, ça peut être catastrophique. Donc, toi, c'est là le passage de l'entraînement au match, quoi. C'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, c'est deux sports complètement différents. Alors, je reviens avec une question d'Anne-Marie qui nous demande, est-ce qu'on a une idée de l'effet positif du caddie sur le mental du joueur? J'imagine que, je ne sais pas si elle est habituée, quel niveau elle a, mais elle a peut-être l'habitude d'avoir le même caddie qu'elle a choisi. Même chez les joueurs pro, hein. La question, je pense, s'adresse plus chez les joueurs pro. Est-ce que le caddie a un vrai effet sur le mental du joueur, quoi? De toute façon, je pense que les joueurs professionnels s'entourent de gens avec qui ils se sentent bien, qui ont plutôt une action positive. Donc, c'est sûr que le caddie a une action très, très importante sur la qualité de la performance. J'en suis intimement persuadé. Au moment où le joueur va choisir son club, le regard, la capacité de calme à avoir, pour moi, c'est comme si c'était un coach, le caddie. Donc, bien sûr que ça va avoir une importance importante. Est-ce que tu penses que les copilotes, les caddies, doivent avoir pas une formation sur la prépa mentale? Je veux pas dire ça comme ça, mais est-ce que c'est important qu'ils soient sensibilisés à ça pour justement aider au mieux son joueur, ou alors c'est vraiment du feeling entre le joueur et son cad? Je pense que il y a du feeling entre le joueur et son caddie. Ça, je pense que c'est important. Donc ça, c'est l'aspect, on pourrait dire, affectif. Mais je pense que pour aller au plus haut niveau, il peut y avoir cet affectif, mais il y a besoin de compétences. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le caddie, il est quand même aux premières loges pour voir la détresse du joueur qui l'entraîne. Et à un moment donné, le joueur, il va demander tel club, et peut-être qu'il va lui poser la question, il va le faire réfléchir. Peut-être qu'il va lui dire, là, t'es pas capable de prendre une décision dans l'état, donc prends le temps. Bien sûr, c'est essentiel. On a le droit au coaching dans le golf, finalement. Justement, là, je vois que Damien Perrier regarde actuellement le live. S'il peut aussi, lui, joueur pro, Damien Perrier, de nous donner son avis sur la question en commentaire. Lui, comment il a choisi ses caddies au fur et à mesure de sa carrière, et qu'est-ce que ça lui a apporté, et est-ce que justement l'aspect de la prépa mentale et de d'avoir un caddie qui le rassure l'aide. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc Damien, si tu peux répondre à cette question en commentaire, ça serait top. Mais en tous les cas, s'il y a bien quelqu'un qui peut se rendre compte, je sais pas si on peut parler de préparation mentale, mais de la performance en général, c'est bien le caddie qui va voir le joueur. Et par rapport à la question que tu soulevais, c'est de toute façon le caddie, à un moment donné, il va se rendre compte de la détresse et justement de cette aventure dans lequel le joueur est. Et qu'il y a des moments où ça va très bien se passer, il y a des moments où ça va être compliqué. Donc, il est aux premières loges de ça. Donc, si lui, ça le touche autant que le joueur, c'est très compliqué d'accompagner un joueur. Donc, je pense que lui, le caddie, en tout cas des grands champions, je pense qu'il a fait un travail énorme sur lui. Voilà, ça c'est clair. Ouais. Parce que le caddie doit être aussi capable parfois d'encaisser un peu les,
les coups de chauffe et les coups de gueule de son du joueur et d'être un peu finalement le punching ball et d'encaisser un peu les coups. Ça aussi, je suppose que ça ne devrait pas être facile à encaisser quand on se fait pourrir entre guillemets parce qu'on oui on s'est trompé de club, mais ouais, mais je pense que après il y a des règles du jeu. Moi, je sais pas si j'aurais envie de me faire pourrir, mais je pense que j'accepterai pas ça longtemps. Mais il y a des règles du jeu à mettre en place quand même. Après, certains aiment bien, hein, c'est leur vie. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Je pense qu'il y a une notion de travail là-dedans et de respect. Le joueur, il peut être énervé, mais c'est pas pour autant qu'il va prendre l'habitude de t'insulter. Moi, en tous les cas, c'est pas comme ça que je vois la performance sur le long terme. Voilà, en tous les cas, ce qui est intéressant là-dedans dans la question que tu poses, c'est finalement de se rendre compte de la difficulté au fur et à mesure des trous qui avancent, de voir le joueur changer. Et ça va très vite. Et il y a très très peu de joueurs qui sont très constants. Encore une fois, on revient à un travail qui est sous-estimé et pourtant, au plus haut niveau, c'est une des clés. Alors, on a une question de Tiger Kawet, un des fidèles du journal du golf, qui nous demande pourquoi, après une partie de golf, on se sent toujours mieux, détendu. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'enjeux ou parce que ça libère des endorphines, etc.? Bah écoute, ça dépend que de lui, hein. Je pense qu'on peut pas faire une généralité. Est-ce que toi tu partages ça? Est-ce que toi tu es détendu après? Il y a pas de règle. Ça dépend de la partie que tu as faite. Si tu t'es énervé, si tu as tout, voilà, si tu as tout envoyé chier, peut-être que ça t'a fait du bien et que tu vas être calme à la fin. C'est une question qui est un peu vaste, hein, là. Je sais pas si Tiger Kawhi il peut dire ça tout le temps. Peut-être que ce qu'il pose comme question, c'est quel effet a sur le cerveau le sport d'extérieur comme le golf, malgré parfois les frustrations, c'est quand même positif parce qu'on y revient tout le temps. Donc, quel est l'effet d'un sport comme ça sur le cerveau? L'effet sur le cerveau, je dirais que il suffit de regarder la tête des gens après une partie, hein, je dirais. Est-ce qu'ils sont tous souriants? Un bon baromètre. Voilà, et c'est un peu comme tu vas à la sortie des casinos, toi. Pour moi, c'est un peu la même tête. Ça dépend à quelle heure aussi, la sortie du casino. Ouais, mais tard, si tu vas tard. Tu vois, si tu fais la sortie des casinos et tu prends les joueurs après une compétition de golf, il y en a pas mal qui ont la tête dans le sac quand même. Je sais pas si ça fait du bien sur le moment. Par contre, ta question de dire comment ça se fait que les joueurs reviennent, parce qu'ils croient au Père Noël. Et heureusement, finalement. Et qu'ils rêvent aussi, surtout, non. Et qu'on rêve tous. Et qu'on rêve tous, de jouer des beaux parcours et surtout de faire des belles cartes, quoi. Et c'est pour ça, c'est croire au Père Noël et finalement, ça, quelque part, ça fait du bien, mais ça fait aussi du mal, quoi. Mais c'est ça qui est beau dans l'être humain. On a une question d'Elisabeth, alors qui nous demande comment jouer sur un parcours que l'on apprécie moins qu'un autre. Salut Elisabeth. Écoute, je vais te dire Elisabeth, c'est de réussir à prendre le parcours, à le regarder, à regarder ce que t'aimes pas, et le tourner dans tous les sens pour réussir à trouver quelque chose que t'aimes. En fait, c'est de le regarder par au-dessus, par la droite, par la gauche, et réussir à trouver quelque chose que t'aimes, à le voir différemment ce parcours. Et du coup, c'est intéressant comme gymnastique. Je sais pas si j'ai été clair, mais pour moi, c'est une des clés d'un joueur professionnel ou d'une joueuse professionnelle, c'est de réussir à regarder les choses et à trouver du positif tout le temps dans ce qui va se passer. Autrement, c'est compliqué. Si je garde ça en tête, si je garde quelque chose de négatif en tête, ça va être compliqué de bien performer. Alors, il y a Philippe qui revient sur ce qu'on parlait avant. Il dit, en état de zone, ça libère le circuit de sérotonine. Le meilleur état, c'est l'hyperconscience de soi. C'est un état de performance de la conscience.
Est-ce que tu peux nous éclairer? Moi, je n'ai pas tout compris. Ben, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à partir du moment où tu es en conscience de toi, ben, tu es concentré. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de virus dans ta tête. Et du coup, c'est là le plaisir. C'est là que le plaisir arrive. C'est quand je suis dans cet état-là, parce que bien souvent, je joue bien quand je suis dans cet état-là. Et toi, tu n'aimes pas le zone. Hein. Pardon? Être dans la zone, c'est un terme que tu n'aimes pas trop, je crois. Ouais, bah c'est, ouais, en fait, là, pour moi, en tous les cas, ce que les gens appellent la zone, c'est un moment magique, mais qui dépend pas forcément du joueur. Ça arrive à un moment un peu exceptionnel. Moi, je préfère employer le mot concentration parce que ça, moi, je sais me concentrer. Les joueurs forts, ils arrivent à se concentrer en permanence. Donc ça suffit déjà pour faire une belle carrière. Mais les gens, ils rajoutent des couches. Donc, même déjà dans cette concentration, à partir du moment où je suis dans cet état de conscience, je suis dans cet état de concentration et du coup, la dopamine arrive et du coup, j'ai un plaisir de dingue à jouer parce que mon cerveau s'est arrêté de penser. Et donc, c'est fabuleux. C'est l'état de la performance. Moi, c'est ce que je recherche et c'est mon job d'amener les joueurs dans cet état-là. Alors, on a Jean-Luc qui nous demande est-ce que le port du masque aide à cacher ses émotions? Ben, ça dépend où tu le mets, le masque, je dirais. Ronan, on en parlait aussi. Ouais. On en parlait dans les podcasts aussi. Dans les podcasts d'avant. Donc là, on fait un petit débrief de tout ce qui s'est passé un peu pendant toute cette période de confinement. On parlait justement de ce départ du 1, mais on parlait aussi de comment réussir à réenclencher la machine, on va dire, quand on a une mauvaise série, quand on enchaîne bogey sur bogey, qu'on a la tête dans le sac, quoi, carrément. Et je pense que ça va servir, et beaucoup de joueurs se reconnaissent, et moi le premier, dans cet état-là où voilà, on n'en peut plus, on vient de faire trois bogeys de suite, on ne comprend pas, quoi. Comment on fait mentalement pour évidemment, je sais que tu ne veux pas donner de tuyaux, mais bon, comment on fait pour sortir de cette spirale, en fait, rebasculer la spirale. JP, je vais t'en donner un, justement. Donc, écoute bien. Donc, j'écoute bien. Je... Alors, je vais te dire, puisque je prenais l'exemple du casino. Tu vas aller au casino, tu vas tout mettre, une grosse somme sur le rouge, et c'est le noir qui va sortir. OK ? Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Quand tu mets tout sur le rouge et c'est le noir qui sort. Bah, je suis dégoûté. Ouais, et qu'est-ce que tu fais derrière ? Ah bah, deux solutions. Ouais, mais si j'ai plus rien, je peux plus jouer. Ouais, mais là, t'es blindé, t'es très riche, puisque ça continue dans le jeu. Bah, je rejoue alors. Ouais, mais tu rejoues quoi ? Tu rejoues combien ? Ah bah, je rejoue... Ah bah, ça dépend, je rejoue... En général, je rejoue la même somme et je rejoue sur le noir. Ouais, mais tu rejoues la même somme. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont doubler la mise pour se refaire. En fait, c'est ça. Ah, mais ça, tu peux te refaire en deux fois aussi. Hein. Pardon ? Tu peux te refaire en deux fois si tu gagnes sur le noir. Ouais, mais là, quand tu viens de perdre, là, tu es dans ton canapé, ah ouais, tu es nard, JP. Mais dans la vraie vie, tu n'es pas comme ça. Et en fait, la prochaine fois que tu vas vivre ça sur un terrain de golf, que tu vas en faire un bogey, tu vas réfléchir au mec qui est au casino. Et c'est la même chose. Lui, il veut rejouer, il veut se refaire. Et donc, il va tenter des trucs complètement barges. Alors qu'à ce moment-là, pour le joueur qui a appris à se connaître, c'est de se dire « qu'est-ce qui se passe au fond de moi ?» Et avec l'état dans lequel je suis, qu'est-ce que je suis capable de prendre comme club? Qu'est-ce que je suis capable d'envoyer comme distance? En gros, qu'est-ce que je suis capable de faire? Là, on n'est plus dans la performance, on n'est plus dans le olé, olé, olé. On est dans « je suis sur moi » et là, je suis dans mon aventure, je suis en danger de mort dans mon aventure.
dans mon Koh-Lanta. D'où l'importance de bien se connaître. Ben, on en revient toujours à la même chose. Mais si à ce moment-là, je ne suis pas capable de me dire, je suis dans mon Koh-Lanta, je suis cassé complet, je suis fatigué, je suis nerveusement, je suis vidé. Si je ne me dis pas est-ce que je suis de quoi je suis capable, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Normalement, là-dessus, comme on m'a bien appris, il faudrait que je prenne ce fer-là. Il faudrait que je fasse une distance de dingue. Ça n'existe plus, tout ça. C'est par rapport à mon état mental et physique du moment, qu'est-ce que je me sens capable ? Et ça, c'est le plus important. Ouais, l'important, surtout, de ne pas se surestimer et de jouer finalement la sécurité et de le club qui où on va être sûr de bien taper quoi. Alors c'est même pas sûr, c'est en tous les cas de faire redescendre le rouge du cerveau là qui fume et d'être capable de revenir calmement à dire ok là dans cette situation qu'est-ce que je peux faire un coup et justement ça va être important à l'entraînement et c'est pour ça que ça a du sens tout ça. Finalement, la performance et l'entraînement, c'est avoir des coups que vous possédez vraiment, que même par grosse tempête, vous êtes capable de les utiliser et ils vont toujours être vos amis. C'est-à-dire, à un moment donné, s'il faut faire 100 mètres, en étant droit, eh ben, en tapant bien la balle, eh ben, je vais le faire. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important de réagir comme ça. Donc, c'est plus le score, c'est plus le terrain. C'est vous par rapport à vous. C'est ça le plus important. Alors, je vais revenir. J'avais posé une question à Damien Perrier qui nous a répondu au sujet de comment il choisissait son cadet. Lui, il dit, voilà, j'ai personnellement beaucoup essayé presque 100% de mes expériences avec des gens proches, des amis, mentors, mon ostéopathe ou encore Kadi Rookie pour me donner une responsabilité de formateur. Quoi qu'il arrive, il y avait un bon feeling de ma part jusqu'à ce que parfois ça s'estompe pour des raisons diverses. Au final, aujourd'hui, je fonctionne avec ma copine qui est de nature calme, qui connaît mon jeu de façon pointue, elle-même prouette et qui les résultats sont les plus pertinents d'un point de vue comptable. Je n'aime pas me faire dicter le jeu, je souhaite juste de bonnes vibes pour aller de l'avant. Voilà. Merci Damien pour ta réponse. Il a tout résumé. C'est qu'à un moment donné, des gens dans l'affectif, pour des raisons, ou pour une raison ou pour une autre, les gens vont pas supporter, ou etc., etc. Et que le meilleur coach, finalement, c'est celui qui te connaît, celui qui te laisse t'exprimer. Mais c'est la difficulté de construire une relation en mettant un cadre précis de ce que veut le joueur. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé pendant les lives, pendant le confinement, de cette pédagogie du Soyez Pro qui est participative. Ben voilà où on en est. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'être à l'écoute du joueur pour savoir ce qu'il veut. Et c'est super que ça soit sa copine. Mais je vois le chemin qu'il y a à faire pour former des gens compétents, pour l'accompagner. Voilà, c'est ça que ça me fait dire. Parce que il y a un moment donné, il s'agit de ça dans la performance de haut niveau. Renan, on a une autre question, enfin plutôt une de Simon qui lui nous dit « Hello, je joue Pebble Beach dans 15 jours ». Déjà, Simon, vous avez de la chance de jouer Pebble Beach dans 15 jours. Parcours mythique, forcément, il demande comment ne pas faire pour perdre mes moyens et finalement passer à côté d'une de ses journées de sa vie quoi. Quand on va jouer un parcours comme ça mythique, c'est quoi les clés pour pas se laisser envahir par les émotions et surtout qu'on le sait sur ces parcours où on jouait des Tiger Woods, des grands joueurs, c'est compliqué de pas se laisser rattraper par l'histoire au final. Bah, je pense que déjà c'est mort là. Hein. Moi je lui dis c'est déjà mort, donc c'est intéressant. Voilà, il a fait le premier pas, c'est-à-dire que là, c'est déjà plié, il va faire un mauvais score. Donc, c'est intéressant de partir de là, de se dire, bah voilà, la mauvaise partie, elle est déjà faite, parce que tant que je vais pas la jouer la partie, tant que je la joue pas, ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que j'y vais pour faire du tourisme
Et bon, bah, ça va être sympa d'être excité. Ou est-ce que j'y vais pour jouer une partie? Mais finalement, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aille jouer ce club-là, un club à trifouiller les doigts ou un autre, il y a un moment donné, il y a un club, un parcours, et il y a tout ça oublié finalement. Donc, c'est ça qui est passionnant. C'est que la difficulté de ce job, c'est de réussir à se représenter. Là, pour lui, on le voit bien, il y a une grande dimension affective et émotionnelle. Si jamais il n'arrive pas à tomber ça va être catastrophique. Voilà, je peux lui dire dès maintenant, c'est intéressant que comme ça, il sait. Par contre, s'il arrive l'instant, il peut, après la partie, justement, aller boire des coups autant qu'il veut et s'éclater. Mais s'il veut vraiment performer, l'idée, ça va être, au contraire, de faire le travail qu'on propose depuis quelques temps, de travailler sur lui, d'être à l'écoute de ce qui se passe au fond de lui, pour jouer la partie. Autrement, ça va être catastrophique, parce que l'émotion va être trop grande. Voilà, donc ça va être, encore une fois, on est dans de l'aventure, là, hein. C'est une aventure. Est-ce qu'il va être capable de switcher dans son cerveau de ce moment exceptionnel à se dire bon bah ok ouais mais bon ça reste un golf comme un autre, finalement je vais taper dans une balle, ça va aller dans un trou, je vais compter 2, 3, 4, 5, voilà, on s'en fout un peu. Et puis après, une fois qu'il aura fait ça, bah il va aller voir, il va dire c'est incroyable ce que j'ai fait, je vais faire des selfies partout et je vais envoyer ça à tout le monde. Mais voilà, c'est le plus dur, ça va être de le jouer vraiment. Mais je pense qu'il en est capable. Alors là, on va terminer sur une réflexion de Tailleur Cacahuète qui dit, qui répond à Léon et qui dit « Léon, j'ai souvent visité les sous-bois. J'ai pris le parti de les contempler ou de retrouver d'autres balles. C'est donc devenu un plaisir, finalement un plaisir de se retrouver là-dedans. » C'est une bonne philosophie pour terminer ça, Ronan. Ben moi, je pense qu'il a inventé un autre sport. Donc, il y a aller chercher des cèpes ou alors aller chercher des balles sur un terrain de golf. Je trouve qu'il pourrait créer une autre licence de golf. Ça peut être sympa. Et justement, pour terminer là-dessus, je crois que c'est Padraig Harrington qui disait « Moi, je vais toujours, quand je fais un mauvais drive, je vais toujours vers ma balle avec le sourire dans l'espoir d'avoir un meilleur lie. » Voilà. Ouais. Moi, je vois qu'au live du golf, on devient philosophe et ça me plaît, finalement. Ça me plaît bien. Je crois qu'on va terminer là-dessus. La philosophie s'était liée. Et si la performance et la philosophie s'étaient liées, moi, ça me va bien. Hein. Alors, on va terminer là-dessus, Ronan. On va donner rendez-vous à tout le monde pour un prochain podcast donc sur le site de l'équipe.fr. On va partir de la base cette fois, Ronan. On a décidé de définir un peu ce que c'est que le mental. Et puis évidemment, on va débriefer si vous avez des questions sur ce vaste sujet, parce que là vraiment, ça va être très vaste comme sujet, Ronan, le mental, de savoir si vous avez des questions à poser à Ronan. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour parler de tout ça. Merci Ronan en tout cas, et merci à tous, et merci beaucoup à Rémi pour la technique. Ouais, merci Rémi à la technique. Salut, merci à tous.